Bienvenue, chers abonnés Facebook et YouTube. Aujourd'hui, on a un véhicule japonais qui était autrefois appelé la voiture citoyenne. Cette voiture existe depuis 1972. Si vous êtes assez connaissant, vous aurez deviné qu'on parle ici de la Honda Civic. Honda Civic de version sport, donc tout le groupe d'apparence d'une Honda Civic SI, sans avoir le moteur turbo de 1.5 litre de 205 chevaux. Nous avons ici un moteur 2 litres atmosphérique, ce qui veut dire pas de turbo, de 158 chevaux. Donc un moteur qui réagit fort bien, on va le voir durant l'essai routier. Ce véhicule, au niveau du look qui va se rapprocher de la SI, on a des mags de 18 pouces qui vont être de couleur noire. On va avoir des feux en avant qui sont noircis ainsi que la grille. Un becquet arrière qui est noirci aussi. Un pot d'échappement comme la Honda Civic SI que certains vont rapprocher d'un câble HDMI. Et puis nous avons certains, une couleur bleue qui est fort bien réussie, qui détonne, vous allez le voir dans les images. Donc, c'est un véhicule qui a un beau look sport, des lignes qui sont fluides et aérodynamiques. Franchement, un véhicule, je trouve que Honda ont bien réussi. Évidemment, la version 4 portes, pardonnez-moi, elle est plus populaire que la version 2 portes. Moi, personnellement, j'aime bien la version 2 portes parce qu'à l'arrière, vous allez avoir des phares qui se réunissent. Donc, on a vraiment une ligne qui part dans le becquet qui est illuminée. Donc, je trouve que le look est plus réussi. Ça, c'est mon avis. Chacun va juger par soi-même selon vos goûts. À l'intérieur, on a une très belle qualité de finition. On touche aux matériaux, que ce soit le pommeau de vitesse, que ce soit la poignée. Lorsqu'on les serre, lorsqu'on touche aux appliqués de plastique et autres matériaux, il n'y a rien qui émet des craquements. Ce qui est très, très bien parce qu'on parle ici d'un véhicule qui va rouler dans les débuts 26 000 $ lorsqu'on inclut les frais de transport, les taxes sur air climatisé. On est dans ces eaux-là. Mais la qualité des matériaux, elle est présente. Je dirais, c'est un véhicule, lorsque vous entrez à l'intérieur, on pourrait l'évaluer facilement à tout près de 30 000 $ Donc à 26, je pense que le prix est fort bien raisonnable. Au niveau des commandes, donc on va avoir des commandes sur le côté qui vont permettre au véhicule d'être semi-autonome. C'est un peu fou, mais ce véhicule en option, vous avez dans le fond le guide dans les voies et aussi le cruise control adaptatif, ce qui vous permet dans le fond de tout simplement laisser le véhicule aller. Vous n'avez même plus besoin de vous soucier si quelqu'un freine brusquement en face de vous sur l'autoroute ou si votre véhicule veut sortir de la voie. Donc beaucoup de technologies de sécurité au niveau de la conduite. Au niveau du tableau de bord, qui est facile à lire, les chiffres sont très gros, vous n'aurez pas de misère du tout à voir quelle vitesse vous roulez. Aucune défaite à donner à la police pour que vous ne sauriez pas la vitesse que vous étiez en train de rouler. On a plusieurs options, dont le premier, c'est un logo qui est en forme de tank à essence. Lorsque vous cliquez dedans, vous allez avoir le nombre de kilomètres qui vous reste avant d'être à sec et aussi votre consommation moyenne. Lorsqu'on va au prochain, on a une clé, dans le fond, une clé de mécanique. Et puis, ça va vous donner combien de durée d'huile qui vous reste. Ici, on est à 100% vu que le véhicule est neuf. Ouais, on a un modèle de 2019 entre les mains. Et puis, lorsqu'on s'en va au prochain icône, on a une icône de musique. Vous devinerez, vous pouvez contrôler tout votre audio à partir de votre volant. Le prochain est le téléphone cellulaire, donc pour faire des appels et contrôler vos fonctions de texto. Et puis aussi, vous pouvez changer tout simplement votre kilomètre-heure pour des milles à l'heure. Si vous allez aux États-Unis, c'est très facile, donc vous pouvez changer votre affichage. Tout est très configurable dans ce véhicule. Aussi, vous allez avoir des boutons sur le côté et c'est des lumières. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir un affichage de l'angle mort parce qu'on l'avait montré, il y a des caméras dans les miroirs extérieurs qui vous permettent d'observer l'angle mort. C'est bien fait. Certaines personnes sont tellement habituées qu'ils ne regardent presque plus dans leur miroir. Ils regardent simplement dans leur écran central l'angle mort. Donc, apparemment, c'est une fonction qui semble bien réussie. Évidemment, tous les contrôles sur le volant sont présents. Aussi, le guide qui va vous permettre de rester dans votre voie se retrouve ici. Si on s'en va au niveau de la console centrale, les boutons qui étaient autrefois critiqués chez Honda, qui n'offraient pas de retour tactile, on a ici des boutons en trois dimensions qui vont émettre un clic si on clique dessus, puis un affichage qui est très facile à lire encore une fois.
Dans l'écran central, on peut régler à peu près tout sur le véhicule. Lorsqu'on clique sur « Réglage », et qu'on s'en va dans le système, vous pouvez changer la couleur du système. Donc, on va avoir couleur fond d'écran, par exemple, et on va pouvoir le changer pour mettre rouge, bleu, bleu, vert, ambré. On peut choisir la couleur qu'on veut. Évidemment, j'aime bien le rouge, vous le savez déjà, donc on va le laisser en rouge et ça fait plus sportif. Lorsqu'on s'en va dans d'autres options, on peut aller aussi dans les options de réglage et de véhicule. Pour accéder au réglage véhicule ici, il faut que le frein à main soit enclenché. Si votre frein à main n'est pas enclenché, frein à main qui est électrique d'ailleurs, eh bien, tout simplement, vous n'aurez pas accès au réglage du véhicule. Donc, il veut être certain que vous n'êtes pas en train de rouler pour jouer dans ces fonctions-là. Et dans les fonctions, vous allez avoir un peu de tout. Vous allez pouvoir régler la durée de temps que vos phares vont rester allumés lorsque vous barrez le véhicule pour vous illuminer la voie. Vous allez avoir certains autres réglages qui vont demander combien de temps ou combien de mètres vous devez être éloigné du véhicule pour que celui-ci se rebarre automatiquement. Donc, pas obligé de peser sur des boutons pour barrer le véhicule, juste vous éloigner et il va se barrer tout seul. Les informations d'entretien, les réglages d'éclairage, le beep, que le son que l'écran va émettre lorsque vous cliquez sur des contrôles, est-ce que vous voulez plus fort, moins fort, tout est ajustable sur ce véhicule, vous pouvez le configurer puis le paramétrer à votre goût. C'est très personnalisé. Les autres boutons de siège chauffant, très commun dans l'industrie, mais bien placé, belle qualité. Aussi, la température bizone qui est automatique. Donc, on n'a rien à redire. Au niveau de l'espace, dans la console centrale, donc très configurable. Donc, on peut relever l'espace ici. Puis, on a aussi plusieurs rails où on peut bouger les porte-gobelets. Donc, c'est très profond. On a vraiment misé pour maximiser l'espace intérieur. On a des pédales qui sont argentées. Donc, ça donne un look plus sportif. C'est comme dans le modèle SI. Et on a aussi le toit ouvrant. Je répète, on a toutes ces options-là dans un véhicule qui, dans les débuts, 26 000 $. C'est franchement impressionnant. Je pense que Honda en vend beaucoup. D'ailleurs, ça fait en 2017, ça faisait la 20e année que Honda était le premier vendeur de Honda Civic au Canada. En fait, le premier vendeur de voitures. C'est pas pour rien. On voit ici un excellent rapport qualité-prix. Ça s'explique. Maintenant, passons à l'essai routier du Honda Civic Sport. On a l'air d'avoir un Honda Civic SI. On a une très belle réaction au niveau de l'embrayage. C'est très facile à manipuler comme transmission manuelle. Franchement, pour quelqu'un qui ne pilote pas beaucoup des manuels, vous allez trouver ça très facile. Donc, vraiment difficile de caler le moteur. Le sentiment au niveau du volant, très agréable. Toujours notre détecteur d'angle mort là, comme ça ici, fait qu'on peut regarder sur le côté qu'est-ce qui se passe en appuyant sur le levier des lumières. Très bien insonorisé. Puis au niveau de l'accélération, c'est raisonnable. Mais écoutez, si vous voulez avoir une accélération fulgurante, vous êtes mieux d'aller voir pour la Honda Civic SI qui va offrir à ce moment-là un 1.5 litres turbo. Donc un moteur un peu plus vif qui va aller déployer jusqu'à 205 HP. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de puissance. Là, on parle de 50 chevaux de plus. Donc, ça vaut la peine si c'est ça que vous cherchez. C'est la sportivité là, que vous voulez trouver, vous allez l'avoir. Là. Au niveau du modèle sport qu'on a aujourd'hui, ben, c'est un modèle qui a de l'air sportif, qui se comporte très, très, très bien. Une voiture là, que monsieur, madame, tout le monde va apprécier. Puis vous voyez toujours les gens dans l'angle mort. C'est vraiment bien fait. C'est impressionnant. On ne s'attendrait pas à ça. Le volant réagit très bien. Les contrôles sont ergonomiques. Ils tombent vraiment dans les pouces comme si on tenait des manettes de jeux vidéo. L'affichage qui est tout numérique,
vraiment bien au niveau de la facilité de lecture. On a même des indicateurs verts là, qui nous indiquent que nous pouvons changer de vitesse. Aussi, l'écran central, donc tous les contrôles sont faciles d'accès. On a des vrais boutons en trois dimensions, comme on avait mentionné. Donc, au niveau de l'expérience de conduite, c'est très agréable. Mais à 26 000 $ avec le look sportif comme on connaît en ce moment, c'est extrêmement difficile de battre le rapport qualité-prix là, de la Civic Sport 2019. C'est réussi.